Salut YouTube, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour continuer sur la série des 7 minutes workout, série dans laquelle je vous montre des entraînements courts et intenses de 7 minutes pour chacun des groupes musculaires du corps et sans matériel. Aujourd'hui, c'est le tour des triceps et ça va piquer. Comme d'habitude, je vais vous détailler toutes les techniques de réalisation des exercices en voix off puisqu'on va faire l'entraînement ensemble et je vous propose d'aller enfiler votre tenue de sport parce qu'on y va, c'est parti. Pour ce training, on va changer un petit peu de format par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans cette série de vidéos. Du coup, la première étape de ce workout, ce sera de régler votre timer sur 7 minutes et de le déclencher. On va se concentrer sur 3 exercices qu'on va réaliser dans l'ordre, les uns après les autres. On enchaînera les répétitions jusqu'à ce qu'on soit à une répétition de l'échec sur l'exercice en cours, c'est-à-dire lorsqu'on sent que la prochaine répétition ne passera pas. On prendra alors quelques grandes inspirations et on attaquera l'exercice suivant, puis le troisième. Une fois qu'on aura complété les 3 exercices, on prendra un temps de repos et on notera les reps qu'on a fait sur son téléphone ou dans un carnet. Par exemple, 31 reps, 22 reps et 12 reps. Total, 65 reps. La durée du temps de repos qu'on prendra à la fin des 3 exercices n'est pas déterminée. Vous repartirez quand vous sentirez que vous en êtes capable. À la fin des 7 minutes, vous aurez totalisé un certain nombre de tours et de répétitions totales et ce sera votre score. Et vous pourrez tenter de le battre pour progresser sur une séance future. On y va ? On commence avec les répulsions triceps. Si vous n'avez pas de banc, utilisez une chaise assez large pour poser vos mains et un canapé pour poser vos pieds. Placez vos mains juste à côté du bassin et vos talons sur le support pour commencer. Le but c'est d'avoir le bassin légèrement avancé par rapport au banc d'une quinzaine de centimètres. Ensuite, on va tout simplement descendre en pliant les coudes jusqu'à ce que le dos touche le banc. Normalement, vos coudes devraient finir par former un angle d'environ 110 degrés. On peut ensuite enchaîner les reps. Allez, je suis à une rep de l'échec avec un total de 53 reps. Je prends quelques inspirations et j'attaque le second exercice. Là, on passe au sol avec les pompes triceps. La variation par rapport aux pompes classiques, c'est qu'on va placer les mains sur la même ligne que celle des épaules et laisser les bras le long du corps. On va chercher le sol avec les pectoraux et on remonte bras tendus. Si vous trouvez l'exercice trop facile, vous pouvez avancer les mains petit à petit pour accentuer l'isolation des triceps et désactiver progressivement le travail des épaules et des pectoraux. J'arrive à une rep de l'échec avec 28 reps. Je respire un peu et je me prépare pour le troisième exercice. On attaque les triceps au mur. Pour le réaliser, je pose mes mains bras tendus contre un mur, juste en dessous de la ligne des épaules. Le corps est légèrement incliné et le but ça va être de plier les coudes pour venir coller ses bras contre le mur. On revient ensuite bras tendus et on a complété une rep. Je termine à une rep de l'échec péniblement avec 12 reps. Mon score sur ce premier tour est donc de 93 reps. Je vais prendre le temps de repos que je juge idéal pour pouvoir repartir assez frais et je rattaque le premier exercice sans trop attendre. Quand le chrono sonne, j'ai complété un total de 2 tours et demi et 168 reps. Et on a fini. Si ce petit training de 7 minutes pour les triceps vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la petite fiche qui s'affiche. Je vous ai mis le lien de la playlist dans laquelle j'ai rangé tous les entraînements de 7 minutes au poids du corps et pour tous les autres groupes musculaires du corps. Donc si ça peut vous aider à vous bâtir un petit programme pour bien démarrer, eh ben c'est génial. En tout cas, ça m'a fait plaisir de m'entraîner avec vous aujourd'hui et de passer ces quelques minutes en vidéo ensemble. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et d'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut !